Ça m'étifole, ça m'étifole. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Vous avez votre youtubeur de toujours. Mais surtout, vous avez un autre youtubeur qui est, on le manque tambour. Didi fait de tout. Donc voilà, je me présente. Je suis un jeune youtubeur qui commence dans YouTube. Donc j'espère que mes vidéos vous plairont. Donc on va présenter la nouvelle figurine d'Avengers, donc qui est Tissy, donc la petite figurine toute mignonne de Captain America. Petite précision avant de commencer, je ne suis pas dans mon décor habituel, vous vous en doutez. Je suis en vacances et voilà. Alors, YouTube, faut bien que ça paye pour acheter des croquettes. Et du coup, aujourd'hui, on va regarder Captain America. On va commencer par le bouclier. Bouclier pas exclusif, vous vous en doutez. D'ailleurs, rien n'est exclusif. Avant, ça l'était, mais plus maintenant. Le bouclier qui a commencé à apparaître, je crois. De toute manière, vous n'avez pas les commentaires d'activer, donc vous ne pourrez rien dire. Que c'est apparu 2017 avec le 7 America invasion, je sais plus quoi là. Donc ensuite les jambes sont des jambes relativement lambda, hein, y a rien d'extraordinaire, je veux dire, tu la regardes, tu te dis pas waouh. Le torse, lui, était exclusif à un moment donné avec ce robot. Or, depuis juillet 2021, le torse est apparu dans le magazine et donc il n'est plus exclusif. La tête, elle, est apparue depuis début 2020, oui, pour le jeu vidéo Marvel Avengers sorti exclusivement sur PS4. Et le casque, lui, est apparu depuis Endgame, donc 2019. Ça, c'est pour la figurine, très bien détaillée, n'est-ce pas? Et donc, s'il te plaît, donc je te laisse donner ton avis. Donc moi, je trouve que le robot, pour ma part, est beaucoup détaillé niveau petit bouclier que vous avez ici. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, pièce imprimée. Imprimé, et derrière nous avons aussi le en plus grand. Alors, donc le bouclier qui, vous allez voir, une petite fonctionnalité quand même, hein, vous n'avez pas payé 10 balles pour un bouclier qui se met juste en dos, tes mains la taille du rat. Et donc du coup, cette pièce aussi est imprimée et ça fait des pièces plutôt quali. Donc on va commencer par la face. Donc moi, pour mon avis, je l'aime bien, cette petite boîte, hein. Ça rejoint la collection des mechas que nous avons en notre possession dans les rayons de chez Lego, quoi, depuis maintenant 2020. Donc ça fait du coup 2 ans, 2022. Et je l'aime bien, ce petit robot, mine de rien. Et donc on va en faire le tour. Alors ça va, la vidéo va beaucoup ressembler à la vidéo du robot de Spider-Man que vous avez peut-être pas encore vu sur la chaîne, mais au pire voilà. Donc on va commencer par les bras qui sont différents à presque chaque robot, hein, mais on va pas se mentir, la construction se répète des fois un petit peu. Les mains, je suis peut-être pas trop d'accord avec Lego sur certains points, mais à cette échelle là on aurait peut-être pas pu faire mieux. Les pieds, eux, sont assez basiques pour des mechas de cette gamme-là. Hein, faut pas s'attendre aux mechas Ninjago qui sortent en 2022. Pareil, ça, c'est commun à tous les robots. La petite ceinture, entre parenthèses. Ça s'ouvre bien évidemment pour mettre la mini-figurine. Le bouclier, donc, qui est en 2 pièces. On peut notamment l'enlever, hein, c'est prévu pour ici. Et vous voyez, il n'y a pas la même pièce ici que là. Et si vous avez bien regardé sur la boîte pendant qu'il faisait sa présentation, eh bien figurez-vous, on peut le mettre juste, si je galère pas, tu peux me le mettre s'il te plaît. On peut le
le mettre sur la main du robot, hein, comme Captain America sur la figurine. Gros fail. Ça fait plaisir d'être en vacances. Hein. Voilà. Et donc, on voit le bazar derrière. Et donc, du coup, il est sur la main et il peut dégommer tout le monde. Donc, bah voilà, c'était le tour de ce petit robot. Et donc, niveau prix, prix public à avoir comme référence, si vous trouvez plus cher, fuyez. Eh bien, c'est tout simplement 9,99€ le prix que vous pouvez trouver en shop Lego. Comme près de tous ces mécas-là, hein, hormis celui de pack de 2. Moi, je l'ai touché à 7,90€. Je ne savais même pas que j'allais l'avoir à ce prix-là. Voilà, une après-midi chargée pour moi. Bref, j'espère que vous allez bien. C'était MC, la chaîne Lego et... Didi fait de tout. Qui vous disent bye bye. Bye.